C'est vrai qu'on était un petit peu bousculé, on va dire. Mais sinon, non, rien de grave. Surtout du côté des abîmes, là où on se trouve, du côté de la chemin de la balance, non, ça a été. Alors, on a effectivement. Effectivement, nous on a suivi ça un petit peu par à la télé, on va dire. Mais c'est vrai que nous, du côté des abîmes, on n'a pas eu beaucoup de. Voilà, il y a eu de la pluie, c'est vrai, il y a eu beaucoup de coulements d'eau. Mais voilà, on n'a pas été, été endommagé, il n'y a pas eu tout ça. Oui, alors justement, ou quoi garder, ou quoi suivre l'émission là ou pas? D'accord, alors. D'accord, ok, pas de souci. Ok, ben on se recontacte. Big Force, à tout à l'heure, à plus tard. Merci beaucoup. Alors, je voulais aussi remercier Colette Gutelmann, hein, qui est toujours fidèle à nos émissions. Attil aussi, tout ça, tout ce monde qui. Oui, exactement. Alors effectivement, chers amis auditeurs et internautes, si quand vous avez un petit problème de son, patientez. Parfois c'est le réseau, hein, c'est pas de notre faute, parce qu'au niveau du studio tout se passe bien, hein, on n'a pas, voilà, s'il y avait un problème, on saurait. Voilà, c'est simplement par rapport au réseau, voilà, c'est simplement de patienter et après ça rentre dans l'ordre. Voilà. Alors, chers amis auditeurs, on est dimanche et effectivement aujourd'hui on devait recevoir Franzi Linon, qui malheureusement ne pouvait pas se rendre aux abîmes. Donc on a décidé avec Jacques et moi de faire une petite émission tranquille avec deux invités. Et c'est vrai qu'elle nous a toujours dit que. Il y a artistes et puis à tout autour, il y a d'autres gens qui travaillent. Je pense, ça me fait penser à Françoise Le Drec aussi, quelqu'un qui fait un travail formidable au sein de l'équipe de Jacques Abon du côté des abîmes et que je salue en passant. Et tout ça, on a ça mérité d'être entendu, mérité d'être. Ça me fait, je revois Aimé Belle-Rose. Aimé, ça sera. Non, ça sera pas Aimé Belle-Rose, ça sera Désiré Belle-Rose. Et tout simplement, donc aujourd'hui, on a décidé de. Parler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément artistes, mais qui démontrent qu'elles font un travail aussi en profondeur. Et bon, le paratouvé, voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé, aujourd'hui, Jacques et moi, de parler de ces gens-là. Alors aujourd'hui, on a deux personnes. On a la personne de Célin, notre caméraman qui était là hier aussi. On reviendra un petit peu sur la journée d'hier, Célin. Mais pour l'instant, je vais voir. Monsieur Frédéric François. Comme toujours. Voilà. Alors, Fredo, présente-toi. Je sais que ce n'est pas la première fois, mais je voulais simplement pour ceux qui n'ont pas eu la chance de t'écouter, de t'entendre, présente-toi. Avec moi, c'est comme il dit, Frédéric François. Né... Le chanteur Non. Bien artiste, mais un artiste sur le bâtiment. Fredo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bon, où c'est mon abîme? Oui, je suis né aux abîmes. Élevé aux abîmes. Mm-hmm. Bon, c'est tout à fait normal, hein. Mm-hmm. Né aux abîmes, la mine des abîmes. Mm-hmm. Tout, c'est comment dire que. Est-ce qu'on est des abîmes? Ou grandir aux abîmes? Grandir aux abîmes, ouais. Super. Ou jouer au cristal aux abîmes? Ah, mais oui, j'ai peut-être plus grand que moi. D'accord. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, Fredo, qu'est-ce que. C'est qui, monsieur Frédéric François, aux abîmes? Bon, je suis là tranquille. Mm-hmm. Donc, on travaille, on va faire ça qu'il y a à faire, bien sûr. Mm-hmm.
Ah, ça fait aussi, en sorte de Michel Mourin, quoi dire. Ah, mais dans la vie, qu'il faut faire un lobitain. Ouais, il faut faire pas mal de choses. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Jacques et moi, aujourd'hui, on a décidé de mettre quand même à l'honneur des gens qui, comme toi, comme Céline, qui font vraiment un travail formidable. Oui, c'est normal. Et on vous en remercie. Hein, ah, ben oui, voilà. Parce que. On sait que même au niveau du studio de Jacques, ou toujours là, ou toujours à côté Forstat. Ben, Forstat peut évoluer, tu vois. On va dans tout le bitin, on va dans tout corps de métier, électricien, plombier, monteur de comment dirais-je, climatisation, de clim, tout ça, voilà. Super. Hein? Alors, est-ce que c'est ou apprendre plusieurs métiers ou bien c'est ou apprendre débrouiller ou par vous-même? Moi, apprendre plusieurs métiers. Ou apprendre plusieurs métiers. Entre en formation, d'apprendre à NPE. Ouais. Et dans un métier, il y a plusieurs corps de métier. D'accord. Et comme j'ai appris à ce moment-là que j'ai mis ça en service. En parce service. Que, oui. D'accord. Ouais. Alors, le niveau d'études, Fredo, pour pouvoir faire tout ça, il faut un CAP, un bac, oui. il faut aller le maximum qu'il faut. Mm-hmm. Ça corrompt, bon, ça l'espire, puis développer. Mm-hmm. Puis où aller, puis bien. Et puis, quoi, une pupille en grand monsieur, c'est un peu normal. Mais Frédéric François, aujourd'hui, parce que c'est vrai que le palais Frédéric François, on pense toujours aux chanteurs. Aux chanteurs, non. Français. Au sens beaucoup heureux en vie à présent. Ah ben oui. Par rapport à ça, pas fait. Oui, ça c'est pas au début, on bien travaille. Mm-hmm. On travaille, là, on est sorti de l'armée, c'est même pas les créoles. Oui, il n'y a pas de souci, Là, on est sorti de l'armée, c'est ou parti de l'armée, Et là, vie l'armée, c'est comme si c'est vie aurait démarré. Ouais, non. Alors là, faut travailler, faut constituer les biens, faut comprendre les parents, les vieux, que à cause d'eux, bon, là, quitter famille, il faut écrire pour vivre. Et de là. Et Fredo, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le vie est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui. Même à niveau de chantier. Succinctement, hein, pas forcément rentrer dans les détails, mais succinctement, est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que professionnel, en tant que. Tu as fait plusieurs, tu as plusieurs casquettes, et qu'a rencontré comme difficulté? Oui, peut-être. Difficulté, bon. Le problème, qu'il y a beaucoup de difficultés à niveau d'entreprise. Mm-hmm. Bon, ça, la jalousie, ça n'a pas régné dans le monde entier. De le monde entier, quel que soit ce qu'on fait, on aura toujours quelqu'un monde qui est jaloux en fait, 5 mètres ou 10 mètres, tout à fait normal. Bon, mon cas, il y a sans difficulté, mais ça va passer. Moi non. Mais pour moi, pas grande difficulté quand même, parce que pourquoi qu'il faut faire face à tout et qu'on vient de venir. Tu vois, pour ça, mon tête a ouvert, après nous, il a ça. C'est ça, on met. Alors, on peut mettre toute puissance, toute force, même là, moi, j'ai dit 15 mètres en haut. Que ça persévère, que ça réussisse. Parce que, en cas de remercier pour tout ça, on a fait pour le studio à Jacabon. Ah, ben oui, c'est un cousin. Voilà. Alors, en cas, permettez-moi de retourner vers M. Sénin, qui est grand caméraman pour l'éternel. Hein. Oui, je. M. Sénin. donc, M. Sénin, il a commencé à faire caméraman. Est-ce que vous aussi, même question là, est-ce qu'on rencontre des difficultés pour entrer dans. Ouais, est-ce que c'est vraiment un cercle fermé ou c'était facile d'accès? Oui, c'était facile d'accès. Facile d'accès à l'époque. Ouais. À l'époque, la technologie n'était pas aussi avancée. Aussi avancée. Je dirais que n'importe qui pouvait encore manger dans son métier. Et puis maintenant, il y a une différence, c'est-à-dire l'ordinateur qui est un petit peu plus compliqué. Et je dirais que les jeunes ont beaucoup de possibilités au niveau de l'ordinateur. Mais comme je te dis, encore une fois, moi, il y a toujours aimé causer plus loin. Oui, comment se fait-il qu'un Boucon qui fait Canal 10, qui fait tout ça, et puis tout d'un coup, vous passez un petit peu dans l'isolement, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas l'isolement. C'est-à-dire que quand tu aimes son métier, faut logique que on ne peut pas mettre des atouts, on ne peut pas mettre des dons, et on ne peut pas les respecter. Donc, on va trouver moi en télévision, on ne peut pas les respecter. Hein. Et c'est un peu découragement. Donc, on dit bon. Et puis, on pouvait des mounes aussi. Il y a qu'à dire un petit coucou à Jacques Abon aussi. Il y a qu'à dire un petit coucou à vous-même aussi. Et à l'équipe de Jacques Abon, parce qu'il y a des gens pas nommés non aïe. Donc, isolement là, c'est-à-dire qu'on ne te reconnaît pas. C'est pas qu'à reconnaître vous à respect là. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir et de travailler à contre-temps.
D'accord. Donc là aujourd'hui là, c'est l'ensemble qui comment dirais-je, comment s'appelle ça déjà, entrepreneur. Oui. Donc on travaille dans les comptables. Oui, on travaille dans les comptables moi et en montée association moi. Alors quand on peut moi aussi on a dit les gens qui veulent faire des mariages, baptême, soirée, clip musical aussi, venez voir moi. Et c'est une affaire qui marche. Oui, si tu as des réseaux que tu as en entreprise, c'est-à-dire avec des gens, oui. C'est vrai que effectivement avec les problèmes sanitaires, oui. Ça engendre un petit peu l'évolution. Dans l'évolution. Et donc, on est entreprise à haut, ça va tourner plus ou moins, oui. Effectivement. On est association. Association à haut. Mais. Monsieur Célin, caméraman, ok, mais où est-ce qu'on a d'autres qui étaient à côté, qui t'a permis quand même, parce que vu la situation actuelle, on n'est pas, on a fait un petit moment, comme on dit, on a fait la peinture, c'est petit à moi, donc on va encore vivre de ça. Alors Célin, qu'en pensez des autres médias, parce que vous qui baignez dans grand bain, on va dire, grand bain, Canal 10, Claire TV, tout ça. Je dis là où Adam ou Montijan, Adam, machin, tout cela là-haut. Qu'est-ce que tu penses des médias? Est-ce que tu penses que ça a évolué positivement ou est-ce qu'on peut penser que finalement c'est. Non. 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 Maintenant on lit monsieur CSA. Monsieur CSA qui a contrôlé tout le but. Et il n'a pas qu'à dire toute vérité. Et le problème, c'est qu'on peut se restreindre. Et donc, on ne peut pas dire franchement la vérité au peuple. Donc, là, quand on arrive, on dit peut-être à cap pour un journaliste, ils vont biter. Eh bien, il ne peut pas dire tout biter. Parce que c'est ça là qui. Il biter dans sa. Quel que soit, quel que soit le média. Et pourtant, nous, on a un pays qui a prôné la liberté d'expression. Dans le pays, que tout le monde a dit que la liberté d'expression est prioritaire. C'est faux. Donc, c'est faux. C'est faux. Pourquoi penser que c'est faux? Mais à bien placé, c'est aussi faux. C'est-à-dire, en fait, excusez-moi, c'est là, pour moi, juste essayer de comprendre. C'est-à-dire, en fait, là, encore, vous voyez Frédéric Afambitain, donc en panier droit, et dit tout ça et tout ça en vrai. Ah non, panier droit dit tout ça en vrai. Faux. Déjà, en tant que moi, en tant que caméraman, reporter d'image, responsabilité là, par exemple, quand je travaille avec un journaliste, si on veut un bitin, parce que c'est désiré à un journaliste là, et une idée bitin, mettre à l'antenne, un exemple. En plus, la direction aussi qui est gardée, les images. Oui, tout à fait. Et donc, il y a censure alors à ce moment-là. Oui, il y a de grosses censures. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, on va attendre certains machins. Si les médias, quand oui, on peut faire regarder ça. Parce qu'il y a aussi le secret des médias. Donc, voilà. Donc, on est, malgré tout ce qu'on dit, on est en liberté d'expression, tout ça. Et vous, là, je vous dis là, ou quoi, dis-moi qu'un journaliste n'a pas le droit de tout dire, quoi. Non. Il ne peut pas tout dire. Parce que si tout dit, c'est soit carrière a été cassé et on est mis sur le CSA. Donc c'est le CSA qui a décidé parfois ça ou pas dit ça ou pas dit. Ok, bon, avant de nous écouter une petite pause musicale, encore avec venir à M. Frédéric François qui est venu aussi aujourd'hui là, aujourd'hui dimanche 15 novembre. Nous là pour passer un petit moment tranquille. Okay. Je me permets quand même de revenir sur la journée d'hier avec nos invités. Ouais. On a passé vraiment une bonne journée. Magnifique. Merci encore pour tes grillades là. Oui, c'est des contents. Oui, c'est des contents. Ça a déroulé tout au top. Il y a vraiment rien à dire. On a vraiment participé. Alors, Topinette a-t-il, collègue Goldman, voilà, ben, merci encore mille fois pour tous ces commentaires, toutes ces interviews que vous m'envoyez. Donc, Frédéric, est-ce que vous, Frédéric, qui est-ce qu'on peut concevoir? Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la COVID-19. Vous, Frédéric, qui est-ce qu'on peut vivre ça?
normalement que... Pourquoi mettez massage, oui, beaucoup de prudence, gorlant, tout ça, beaucoup de prudence, ouais, ouais. Beaucoup de prudence parce que pour ne pas délivrer, mais... Est-ce qu'elle n'a pas déjà voulu masser en bouche là? Non. Non, parce que moi, ça que on est dans un lieu privé, un lieu fermé, et nous protéger aussi, pas bon Dieu. La vie, là. D'accord. Parce que, avec Jacques Abou Zéro. Oui, donc, effectivement, on est dimanche, on va écouter de la musique, louange, louange à Dieu. Frédéric, est-ce que c'est ou croyant, ou croyant? À 100% même. À 100%. Croyant pratiquant ou croyant seulement? Ils sont pratiquants, mais soumis l'amour, soumis la foi dans, parce que ça, Jésus-Christ, comment, même pas Jésus-Christ, là, là, Jésus-Christ qui a donné. Mais bon Dieu créé nous, créé ciel, créé terre, et maintenant, s'il créé l'homme, il créé la femme aussi, alors fait nous mettre en tête à nous qu'il y a une puissance vraiment puissante qui existe. Oui. Donc, à quoi vous demandez aux croyants, mais est-ce qu'on pratique en vraiment? Non, est-ce qu'on sert beaucoup qu'il y a l'église? Oui, parce que moi, en communier, baptisé. Non, pas tous les dimanches. Tous les 15 jours, tous les mois. Oui, ça peut m'arriver si on décide. D'accord. Ouais, c'est un décide. Mais il y a des moments, et les temps passés, que malgré l'église tous les jours, on est jeune, en baptisé, en renonçant, confirmé. Oui, voilà. Donc, ou quoi après, en cette force divine, et quoi penser que c'est ça qui peut tirer nous des pandémies là, nous qu'on traverse actuellement? Non, moi je te jure. Est-ce qu'on peut inviter, par exemple, tous les internautes et les auditeurs qui nous écoutent à prier? Beaucoup. Prier pour beaucoup. Ça, pour nous voir si nous va sortir dans la période qu'on traverse là, une période très difficile. Ça me permet simplement, chers amis auditeurs et internautes, d'envoyer un petit coucou, de faire un grand big up à tous les soignants, tous ceux qui sont au chevet des patients. Je sais ce que c'est, et croyez-moi, et franchement, force et courage pour ce qu'on va faire, tous les patients, tout ça, machin. Effectivement, parce que actuellement, quand on écoute les informations, on se rend compte que, effectivement, d'un côté ça augmente, d'un autre côté ça diminue. Donc on est vraiment sur la balance, on ne sait pas trop où on va dans cette oui, voilà. Oui. Toutes les informations qu'on nous distille au quotidien, malheureusement, le soir, on ne peut pas réfléchir, ou même coucher le roi et puis sur le roi, est-ce que vraiment. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite courage à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, nous allons penser simplement qu'on joue l'autre, nous peut tirer nous de cette affaire. On va se retourner vers le technicien, M. Jacques Abon, qui va nous passer un petit peu de musique. Et puis, on reviendra, chers amis. Sachez simplement que vous êtes toujours dans l'émission Plaisir Musical. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Hein? Aujourd'hui, on se fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé. En l'absence de M. Fonzi Nilon, on a décidé de recevoir deux personnages pour vous, deux personnes qui vraiment comptent pour la radio, qui comptent au sein de l'équipe de Jacques Abon, et ça nous fait vraiment, vraiment grand plaisir. Gardez la foi, oui, et Edith Abon aussi, salut Toupinette, enfin voilà, tous les gens, ça nous fait plaisir que malgré l'absence de Fonzi aujourd'hui, on reçoit pour vous des gens qui ne sont pas artistes, mais qui font vraiment un travail formidable. Et on a vraiment aujourd'hui, on a décidé de les mettre un petit peu à l'honneur. Et encore, merci à vous qui nous regardez. Merci à vous qui nous écoutez. Et voilà. Donc, on va écouter un petit peu de musique et puis on reviendra dans quelques instants avec vous. Merci. Parlez-moi de studio à chaque option. Oui, tout à l'heure. On va voir. Que diable a sauté, a chanté, a
Effectivement, Odissou Bouzin, un caméraman, machin, et je vois un petit commentaire de Toupinette, a-t-il, qui a dit « Et toi, Jacques, tu fais quoi ?» Alors, après, ça répond, hein, non, et toi, Jacques, tu fais quoi ?» Eh bien, je suis technique. Bien, la technique. Donc, à ce moment-là, si vous êtes un technicien, il va faire appel à Jacques Abou. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Encore saluer M. Lambert Compas. Hein. Salut Lambert, mais nous là. Nous parlons de vous hier dans une grand, grande belle journée, Lambert. Si vous t'avez manqué, hein, nous tenons les. Harry Basile, nous tenons Danny Desplan qui t'est invité. Et puis vraiment, nous avons vraiment passé une merveilleuse journée ensemble. Après ça, Tigriade là, tranquille. Vraiment, très belle journée. Oui. C'est là qu'il nous a fait, nous parlons du jaloux. Nous parlons du jaloux, mais fais-le simplement vite voué, studio à M. Jacques Abon. Et là, nous situer. Voilà. Non, mais c'est ça qui nous fait plaisir. Il y a des. On est des boutiques qui parlent avec les visiteurs. Mais Jacques, effectivement, Jacques, nous fait émission là hier, et c'est après coup encore une rencontre que en fait nous sommes tout le temps tout le monde acté là, c'est des gens qui passaient par Paris, hein, en la personne de Harry Basile, tous les gens qui étaient là hier, ce sont des gens qui vraiment qui ont vécu en métropole, voilà. Et puis qui sont nous qui ont décidé aussi de rentrer. Ah, et Lambert a dit garder en différé. Nicole dit bonjour tout le monde, bonjour à toi Nicole. On te salue, on te fait un gros big up. Et puis voilà. Mais vraiment, hier c'était vraiment une journée mémorable, je le répète. Et avec tous les invités, ça qui passait vrai nous, qu'on n'a pas pu voir en les personnes de Daniel Tian et de Christian Fabroni, hein, qui fait aussi un travail formidable du côté de Paris avec le Oxygène des Îles. Et vraiment, hier, nous étions vraiment gâtés de chez gâtés. Donc, jeudi là, nous décidons effectivement, parce qu'aujourd'hui, on devait recevoir Franzi Linon, qui, pour des problèmes personnels, ça arrivait, avec ATP Vini. Et donc, nous décidons de mettre à l'honneur jeudi là. Des mondes qui a bon nous force là, des mondes qui travaillent aussi d'arrache-pied, et puis nous là tous les jours, les nous veillons, nous là. En la personne de, tout d'abord de M. Céline qui est notre caméraman
attitré, on va dire, entre guillemets. Et puis, on a beau qui est né en low casquette, il plombier, électricien, monteur de clim, tout ça. Et c'est un bouquet, il a des boucliers, Frédéric François, toujours là avec nous. Alors, Frédéric, bon, encore une fois, pour interview là, et puis, Jean-Pierre, le son est super. Merci, Lambert, merci. Donc, Frédéric, ce dévouement, parce que ça va faire là, c'est pas de l'argent, pas ni rien. Mais c'est naturel. Hein, On sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde de fric. Oui, hein, je sais. Quoi que ce soit, de beaucoup y a un monde, il peut y avoir des guédis, combien, voilà, oui, voilà. Donc vous, pourquoi venez gracieusement, pourquoi venez bénévolement, oui. Et voilà. Alors, en termes de ça, d'où vient ce cœur, ce côté C'est l'amour à Jésus-Christ, c'est l'amour naturel, l'amour paternel aussi, qui veut dire que nous, mon Dieu, bon, nous force courage, maman, nous lever nous. Mais il toujours apprend nous, eh bien, surtout pour un cousin, comment non, pas de problème, comment ça va naturellement. Parce que, bon, on peut faire aussi d'être bons amis avec des bons amis, ouais, des amis qui ont le besoin. Quand ils m'ont dit, bonjour, force, non, est-ce qu'on peut, bon, force, peut-être. Au retour, on attendait aussi, c'est sûr et certain. Mais, des vrais cousins-là venir crier, c'est que à Dieu là. Et commander en force, pourquoi pas. Mais en fait, c'est formidable parce qu'en fait, moi personnellement, ça, l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient de Jacques. Et les Jacques disent ça, c'est vraiment formidable de pouvoir mettre à l'honneur aujourd'hui, des gens qui œuvrent justement pour que ce studio puisse avancer. Parce qu'on voit bien le changement. Parce que hier encore, je discutais avec Harry Basile qui disait par offrant le progrès, hein, parce qu'il est venu tout au début. Et hier, il a découvert un autre studio. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et franchement, mon cadre de chapeau, les gars. Et aussi, notre caméraman, Céline, aussi, qui a fait un travail formidable, qui l'a tranquillement. Oui, ça c'est sûr, faut pas oublier. Oui, qu'on n'oublie pas, qui aussi fait partie de l'équipe Jacques Avon, qui a aussi vraiment fait un travail formidable. Franchement, chapeau. Ouais, bon à savoir, Topinette a-t-il concerné. Donc, alors, JP, oui. Nous étions à nous du côté de Paris aussi. Oui. Monsieur Lambert Gélas. Lambert Gélas qui fait un travail formidable aussi. Mario Tissier, Café de Claudio. Oui, oui, oui. Et au meilleur pour la communication, lui, l'ancien de la communication. Oui. Nous avons capable de communication. Nous parlons aussi en plus. Coupons vraiment. Mika Dangereuse aussi, qui a fait un travail dans nous. Tout ça, capable de nous faire ça du bail. Aussi, c'est un de la vie. Super, mais, ouais. Tout à fait. Hier, avec nos invités, Dany Desplan et Harry. Voilà. Alors, on bien mettait en évidence le travail qu'on fait, hein, c'est aussi promouvoir la culture. C'est-à-dire, en fait, Studio à Jacques Abon, c'est comme si c'était en sorte des passerelles. Des passerelles entre les Antilles et la France. Et la France. Hein, permettre. Et il y a eu un tel échange, parce qu'en fait, on s'est aperçu, même hier, quand Christian Fabroni est passé nous voir, c'était vraiment formidable, parce qu'il y a un travail qui a fait. Hein, il y a un passerelle entre la France. Une émission le lundi. Tout à fait, le lundi, jeudi, avec Jacques Abon de 16h à 18h, voilà. qu'il ne faut pas rater. Ouais. Hein. Mais en tous les cas, moi, simplement, je voulais mettre encore l'accent sur le travail qui est fait entre le studio de Jacques Abon et aussi Métropole, en soit des passerelles. Et cet échange, c'est vraiment formidable, puisque je m'aperçois que la plupart des artistes qui viennent de Métropole veulent passer, et lancent des messages, et vice-versa. Hein, des boucs qui vivent en métropole, comme je prends le cas de Daniel Tian, qui vivent en métropole, et qui a trouvé à présent machin, et qui pas, on ne peut pas oublier, parce que mine de rien, on a beau dire, on a vécu en métropole, on ne peut pas oublier la métropole. Voilà. Et donc, on trouve un certain lien, et quoi, on a envie qu'elle vienne là, ça, continuer, et c'est la force là, force à Studio à Jacques Abon, c'est de permettre nous de toujours rester en contact, et puis les autres qui sont restés là-bas. Voilà. Et puis,
on s'est rendu compte, hier on a vu encore le nombre d'Antillais, de Guadeloupéens qui reviennent et puis qui veulent toujours rester en contact, tu vois. Donc là actuellement, le studio de Jacques Amon qui se trouve aux Abîmes, là où le chemin de la Balance, sert de tremplin, de passerelle entre la métropole et Valais. Et ça, encore une fois, ça super. En fait, voilà. Et c'était juste une petite. Voilà. Donc, c'est bien, où t'es un mot à dire par rapport à studio à Jacques Amon. Alors, moi, en très, très, très ému, merci à vous, JP. Mm-hmm. Et merci à Jacques, hein, parce que Jacques montait en équipe. Hein. Mm-hmm. Les téléspectateurs savent que caméraman, c'est là, c'est moi. On décidait aussi de bar Jacques Amon et l'écoute de Jean-Pierre de travailler en tant que caméraman pour un peu faire tous les artistes venir et nous faire ce que d'autres pas fait. Donc, bon, en fait, nous, moi et bien Jacques, nous décidons aussi de faire de la proximité. Et la proximité, c'est de battre tout le monde la parole, sans indiscrétion. Donc, vous posez-moi la question, pourquoi en TV être caméraman? Eh bien, pourquoi un caméraman? Mais un caméraman aussi, parce qu'on voulait, longtemps, t'es arrivé de faire en radio comme ça, et de battre tout le monde la parole. Donc, je peux venir, tout le monde qui veut discuter, en cas de venir. Effectivement, on salue ce que dit notre caméraman. Sans oublier aussi, c'est vrai qu'on parlait souvent des artistes, mais il n'y a pas que. Hein, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit deux personnes qui ne sont pas vraiment dans le côté artistique, mais qui font vraiment un travail formidable. Voilà. Alors ça me permet aussi en même temps de souligner aussi tous les autres, les animateurs radio, les réseaux, les voilà, et entre autres Didier Pascal, puisqu'en fait Lambert, on nous en parle, salue aussi, ainsi que Monsieur Franzola aussi, Francis Franzola du côté de Flywork Tropical, que je salue. Et tout le monde, je veux dire, tout le monde pas oublié. Alors, en même temps, je regarde, on se demande avant Jacques Amon, que faisaient les Antilles, pourquoi il n'y avait pas de passerelle entre les Antilles et la France. On est déjà en 2020. Bonne question. Et dit, franchement, là, encore laisser Jacques répondre à la question là, ça. Et monsieur Jacques Amon, alors tu as une question de 10 avant. On se demande avant Jacques Amon, que faisaient les Antilles. Pourquoi il n'y avait pas de passerelle entre les Antilles et la France on est déjà en 2020. Oui, mais c'est normal parce que ils savent que Jacques Amon Boulot, il est. Voilà. Avant, il faut rentrer les autres patrons, réfléchir, ça va passer. Et pour moi, pour deux ans, regarde pour ça, pour moi, c'est ça qu'on regarde si vous pouvez parler. Et nous calculer, c'est pas déjà qu'on va j'y vais là aussi, parce que c'est sûr que vous avez. Et nous pas loin sans faire attention, parce que je dis loin, ça veut dire qu'on voit des choses que de partager avec nos compatriotes, qui marchent du coin, Haïti. Et nous pas demandé qu'après, nous prenons encore ouverture, et nous devons aller travailler aussi, comme agir les mêmes, initier le monde, comment c'est qu'on a une association, et de nous aller, de nous aller travailler avec nous, qu'il y ait ouvert pour travailler avec nous, parce que ça nous disait, que. Association de l'Union pour que. Et c'est pas rien que ça, nous fait aussi que c'est mon appareil avant que ni les décisions en l'étalage, nous parlons de les gens ont vécu, l'école à eux, nous le faisons l'hôpital, c'est pas rien que nous faisons d'autres choses que aussi faire des grands mondes personnes âgées, mais c'est aussi parler de Abiyo Makado, parler de vécu à eux, jeunes à danser, qui viennent dans le temps. Voilà. Alors, juste envie de rebondir par rapport à la question à Edith Savant, oui. C'est-à-dire, en fait, moi aussi, on vit une quarantaine d'années en métropole, et souvent, pour parler dans le showbiz, hein, en tout cas, on a toujours comme à une force là, et des artistes antillais, les deux en Guadeloupe ou aux Antilles, quoi, disent, oh, mais c'est difficile, on arrive à passer tout ça, et vice-versa. T'es une des artistes antillais aussi, il est venu à métropole, il a trouvé voix, il a du mal à être reçu, soit dans les médias ou même en discothèque, tout ça. Mm-hmm. Et voilà. Donc ce problème-là, je le connais,
enfin, l'ai vécu. Et à quoi penser que le fait que Jacques Abon, à présent, vient créer ça, à quoi penser qu'on va peut-être essayer de trouver, de chercher, puisque mine de rien, c'est quand même la réflexion qui en est ce studio. Aujourd'hui, on est là à discuter, à parler, à faire cette transition. Et c'est aussi toute une pensée, toute une idée, une. Voilà, ça n'a pas arrivé comme ça. À quoi penser que M. Jacques Abon réfléchit largement, suffisamment, puis tu es monté studio là, ça. Et bien, nous, c'est aller plus loin. Et envoyer aussi. L'envoyer monter, envoyer, ben, il était tout petit. Alors, l'idée à moi, aussi, l'envoyer Jacques pour moi en main, parce que bon, ça a occupé les choses sont difficiles. Ben, l'idée là, pourquoi pas monter une télévision du web là. Et petit qu'on y est, qu'on était qu'à rebondir, ça on va dire, parce que les autres, ils me disent pas, bah, les artistes, la parole. Et moi, quand je vois que avec l'idée là, avec les autres, ils n'ont pas fait les autres parler. Donc là, Jacques dit, moi, écoute, bon, voilà, mais on y a un café. Alors, on dit, Jacques, ça très bien. Et moi, on dit, bon, on peut apporter contribution au moins, parce qu'il y a une possibilité de marcher ensemble. Il faut que le public sache ça, qu'on dit la reconnaissance. Et puis, depuis, Jacques retourne en Guadeloupe, parce que c'est moi qui filme le retour du grand Jacques Abon, parce que ça me sent. Et puis, Jacques, il était jamais l'idée à y être taillé de vouloir donner à tous les artistes. À haut niveau ou pas. Et donc, là, il vient voir moi, afin qu'on propose ça aussi. Il y a des vrais, surtout le vestibulaire petit. Et puis, bon, proposant ça, donc, on a 10 autres, surtout Messi, à toi aussi, et à Jacques aussi. Voilà, voilà. Donc, c'était une façon. Pour nous, surtout, j'ai l'impression qu'on est toujours à la traîne alors qu'on n'arrête pas de parler de solidarité. Il dit, mon vidéo, bon, oui, non, hein, parce que pendant des cas dit, il y a toujours eu ce.